Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Binding of Isaac Rebirth. Donc vous voyez que j'ai fait quelques challenges que vous n'avez pas vu en vidéo, c'est tout simplement parce que je les fais de nuit quand je peux pas trop filmer. Donc j'ai fait The Purist. Le Purist c'est aucun objet, on commence avec aucun objet au début, et comme un personnage il n'y a pas de salle de base, et on va jusqu'à Utero pour tuer le cœur de Mom, mais vous l'avez pas encore vu ça. The Host c'est... Attendez, je regarde vite fait, c'est quoi The Host déjà? Ah oui, c'est ça. The Host, c'est avec les mouches. Donc, voilà. Ensuite, pour... quelques tourtons que je l'ai fait. Cursed, je sais plus si je l'ai fait en vidéo ou alors j'ai fait une courte vidéo dans ce cas-là. Celle-ci, c'était un peu plus dur. Enfin, pas tant que ça, il fallait utiliser... on avait qu'un seul objet au début. Enfin, plusieurs objets, regardez. Je vous montre juste ça. Donc vous aviez l'Abinon, le Lemon, ça. Et une batterie qui fait perdre que la moitié du cooldown. Ensuite, Beans, c'est avec Black Beans, etc. C'est les trucs qui font péter, etc. It's in the card, c'est avec le deck de cartes. Donc voilà ça. Ça se recharge. Donc vraiment pas simple celui-ci, vu qu'on n'a pas beaucoup d'objets pour faire des dégâts. Donc ensuite, ces deux-là, je les ai gardés spécialement pour les faire en vidéo parce que je les trouve très drôles. Ensuite, Waka Waka, c'était... Ah oui, celui-là était très 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 dur, je trouve. C'est avec ces balles magnétiques qui rapprochent les ennemis. Et ça, c'était très 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 dur. Et donc voilà, après c'est tout. Donc on va tout de suite commencer avec le challenge Slow Roll, où on aura le Polyphemus qui fait de grandes larmes et le Piercing. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai trouvé que c'était marrant. Oh! Nice. Donc j'espère que vous avez bien vous péter la forme parce que moi oui. D'ailleurs, au niveau nouveauté qui va arriver en décembre, ma nouvelle carte graphique va arriver vers mi-décembre. Ce sera une 760 GTX Ti 4 Go, une Gigabyte si vous voulez regarder sur internet pour vous renseigner. Et donc, je vais pouvoir faire tourner largement les nouveaux jeux en max. Donc, ça va être très bien. En plus, elle coûte pas très cher. Hein. Enfin, quand même un peu, mais voilà quoi. Donc voilà, ça c'est très simple. On va essayer de voir pour la salle secrète. Donc c'était... J'ai juste fait cette challenge en vidéo et c'est tout. Ok, c'est pas par ici, c'est pas grave, on va passer. Bon, par exemple, quand j'aurai ma nouvelle carte graphique, vous aurez toutes les vidéos en 60 fps, etc. L'autre chose que je devrais changer, mais ça c'est plus tard, ce sera l'année prochaine, ce sera mon processeur. Mais on verra ça. Une autre fois. Pour le moment, la carte graphique sera amplement suffisant. Ce qui est bien, c'est que ça avec l'éclat, enfin, comme ça avec la boue, ça tape derrière les murs aussi. Regardez, là, par exemple. Ah non, je me suis fait en disant ça. Mais par contre, ça prend beaucoup de temps pour tirer. C'est ça le problème avec Polyphemus. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On va fouiller toute la salle. Let's go. Tum tum. Et voilà. Ça fait très 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 mal. J'ai deux foules, d'accord. Pas trop de chance, mais c'est pas grave. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment très 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 simple avec ce challenge. Et si on l'a fini très rapidement, c'est-à-dire en 15 minutes, j'enchaînerai sur le deuxième challenge, qui lui sera un peu plus long. Aucun que... Ouais. Rien non plus. Je regardais s'il y avait des rochers bleus pour avoir des cœurs.
Allez, c'est bon, ça c'est fait. Alors, le pacte. Je sais pas, je sais pas. Bon, allons, on tente. Là, je suis au dégât maximum. Je crois que j'étais déjà au dégât max, mais c'est pas grave. J'ai fait ça parce que ça me donne aussi deux cœurs bleus. Voilà. On va éviter de se faire toucher pour recevoir un succès. Ah, ouais, un succès, oui. Ok, de ne pas se faire toucher pendant deux étages. Voilà. Donc on va se jouer très prudent. Ah, prudent. Je vois, je comprends. Non, je vais pas faire celle-là. Je pourrais avoir quelque chose, mais... pas envie de me faire toucher pour rien. Si je me fais toucher avant, je la ferai, mais pas avant. Voilà. Allez. Allez. Voilà. Rien par ici. Rien par là. On va regarder dans cette salle. Oui, donc j'ai aussi une amélioration. J'ai pris aussi une amélioration de. Comment ça s'appelle? Une amélioration de shop en donnant 200 pièces à la machine à sous. J'ai juste fait ça aussi en solo. Donc, ouais, j'ai fait quelques runs aussi. J'avais zappé celle-là. On va rien prendre. Voilà. Le boss est ici. On y va tout de suite. Ah bah je me suis fait toucher, ça c'est fait. Donc je vais pouvoir aller faire le coffre. Ah bah non non, j'ai plus qu'une clé. Ah, j'aurais pu, je voulais pas me faire toucher, bordel. Il a été trop rapide pour moi. C'est pas grave. On y va, on enchaîne là. Non, il faut que j'attende encore. Donc on explique qu'il va pas tarder à arriver sur la chaîne aussi, il y a Assassin's Creed Unity. J'espère pouvoir le faire tourner, ça je ne suis pas sûr. Enfin, au minimum ça devrait être possible, mais pas au maximum. Et après il y a aussi Far Cry 4 qui suivra très rapidement. Le temps que je finisse le plot de Borderlands et en même temps tout ça quoi. Ça devrait arriver. Voilà. Un demi-cœur à prendre. Passons par ça. Ouh là là, j'ai eu chaud. Ah, flûte, non, j'ai pas vu le rocher. Ah là là, c'est chaud. Parce que ça retouche pas. Ça a déjà touché. Et voilà. Par là-bas. Et voilà, ça c'est fait. Parti pour le boss. Ah mais non. Encore plus de dégâts. Toujours plus de dégâts. Non merci, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, je me suis fait toucher, hein, dommage. J'ai juste fait toucher deux fois, si je m'étais pas fait toucher, j'aurais eu le succès. On va essayer de pas se faire toucher ici par contre. Voilà. Pour le moment ça va, je vais pas utiliser la pilule pour le moment. Allez, rapproche-toi, toi. Voilà. Une clé à prendre.
Voilà. C'est très 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 puissant. Ah non, je crois que je peux pas faire de succès ici. Ah oui, c'est vrai. Je vais zapper ce bordel. Comme vous voyez, il n'y a pas de trophée en dessous. Je crois que c'est parce que je peux pas faire de succès dans ces zones-là. Allez, donne-moi quelque chose d'intéressant, s'il te plaît. Ah là 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 là. Voilà. Voilà. Bon, je me suis pas fait toucher, je crois. Je fais tout le temps avoir sur ça normalement, mais ça va là, c'est passé. Ça c'est très bien pour pouvoir faire ça. Oh, clé illimitée, nice. On va ouvrir toutes les portes que j'ai vues avant. Tous les coffres également. Faut pas que je marche dessus parce que ça va me faire quelque chose que j'ai pas envie là. Ça pourrait me faire perdre la game sinon. Enfin, la partie, pas la game. C'est la première partie où je vois autant de portes, quoi. Prenons ça, allons là-haut. Non, je me suis fait toucher comme un mongol. Mongol. Suffit d'attendre et puis c'est bon. Ah mais non, arrête de me rouler dessus toi. Je suis boss. Il va pas arrêter de faire sa toupie hein. Voilà. Pigeon boy. Il manque une seule pièce malheureusement. On va essayer de voir si on peut en trouver une. Qui nous serait assez utile pour la map. Bon, maintenant que je me suis fait toucher, hein, on s'en fout. Allez, vas-y, explose et donne-moi un cœur bleu. Où est-ce qu'il pourrait y avoir des cœurs? Enfin, des pièces, pas des cœurs. Coffre. Je sais qu'il y a un moyen pour que j'en ai, mais on va fouiller quand même un peu encore. Ok, bon bah on va devoir utiliser ça. Qui est autre que la salle la machine à sang. De toute façon c'est vrai, je me rappelle, j'allais encore le dire que j'ai eu chaud. Que on peut pas avoir les challenges, enfin les succès ici. Ah bah j'ai loqué, bizarre. Depuis tout à l'heure j'ai loqué. Ouais là on aura fini très très vite. Dans moins de 5 minutes c'est fini. Ok. Voilà, un coffre avec des pièces. Je vais au chemin le plus loin parce que généralement ils sont là-bas, les boss. Généralement, après je sais pas vraiment. Non. Ah, flûte.
la gaffe. Speed down. I can see forever. Ok. Qui permet de voir la salle secrète et super secrète. Ok, nice. Très très nice. Et voilà, une autre pilule qui est health down, ouais. 48 heures pills, speed down, télépills. Oh la blague. Bah téléporter en arrière. Ah bah merci bien, j'avais pas vu. Ah bah nice ça. La mom elle va être très très facile à faire. En quelques coups elle est morte. Je vais quand même retourner pour voir s'il y avait d'autres... Explosive diarrhea. Regardez, elle perd beaucoup de vie. Aïe. Ouais, par contre je fais vraiment n'importe quoi. Ciao. Et voilà. On enchaîne. Swallowed Penny. Et on fait le challenge Computer Savvy. Who am I? Qui n'est autre que des tirs autoguidés. Et oui, vous allez voir. Il me faut juste des dégâts maintenant et c'est bon, on a gagné. Il va être moins rapide que le précédent, mais... Mais ça risque d'être très fun. Voilà, là il n'y avait pas grand chose, donc j'ai gaspillé des points de vie. Donc la petite tactique, toujours. Amnésia. Speed down. C'est l'heure de tourner. Lui il va s'énerver, ça va être chiant. Tant qu'il est pas plus rapide que moi, ça me va. Voilà, nice. Cœur noir plus cœur éternel. Ça fait qu'on a déjà un health up. On est à 5 cœurs. On va utiliser quand même le cœur noir pour ça, hein, c'est pas grave. Oh! On va pas prendre le Dead Cat, hein, je suis pas fou quand même. Mais la marque, normalement, si je me trompe pas, ça augmente mes dégâts. Voilà, petit cœur. Donc là on a technologie 1, technologie 2 et après je sais plus c'est quoi le nom de l'objet pour avoir l'auto-guidage. Ok, un cœur bleu. Ah, ok. Ok. Donc on va pouvoir prendre le rocher bleu qui est là-haut. Le cœur bleu, ça c'est bien. Donc il me faut vraiment que du dégât là, je m'en fous, même pas besoin d'HP up, juste du dégât. Ça devrait faire une vidéo de 30 minutes en tout.
Ok. What? C'est la première fois que je vois ça. Il me faut une bombe là. Il faut vraiment une bombe. C'est la première fois que je vois ça, quoi. Bien entendu, il n'y a pas de bombe ici. Ok, j'ai jamais vu cet objet. Ah, j'aurais pas dû utiliser ma bombe là. Pride, donne-moi une bombe s'il te plaît. Nice. Ça me donne des bombes. Enfin, ça fait tomber des bombes, donc. Espérons que ça y en a une qui tombe juste à côté de l'item bouclier. Parce que c'est un bouclier incroyablement fort. Oui. Oui, trop bien. On a gagné. C'est gagné. Voilà. Même si j'avais déjà ça. Non, je vais pas prendre le chat. S'il retombe dans un débile deal alors que je peux prendre d'autres objets, mais je prendrai. Et pas maintenant. Ok. Voilà. Voilà. Comment faire une salle rapidement? Ah, j'aurais dû prendre. Dommage. Si j'aurais pris le corps de Guppy, ben je serais devenu Guppy. Et alors là, ça aurait été n'importe quoi. J'ai pas de clé. J'ai 15 pièces pourtant. Il va falloir que je trouve une clé. Ouais, mais il y en a une là, mais elle est au milieu. Je sais pas. Je peux pas voler, hein. Donc j'espère que les vidéos de Binding of Isaac vous aura plu hein, parce que là j'ai seulement upload la première vidéo. Là je dois être à la 7ème de tournée ou la 8ème. Et j'ai vu que ça fait quelques petites vues, que ça voit que vous avez bien aimé, hein, je pense. Hein. Des pièces encore, mais non, il faut pas des pièces là, il me faut une clé. Là, je suis vraiment déçu de pas avoir Guppy, hein. Pas avoir pris Guppy. Enfin, le corps de Guppy, quoi. Pour avoir les 9 vies. Ok. J'ai des dégâts augmentés ou pas? Non, pas encore. Toujours pas de clé. Ah, Pestilence, lui il va pas me donner de clé, hein. Donc pour le moment ça va, hein, c'est tranquille cet étage. Ah, Krampus! Très bien. Très bien, très bien. Donne-moi le col, s'il te plaît. Bah merci. Comme ça, je fais encore plus de dégâts. Ah ça s'indique pas, ouais. Bah j'ai pas trouvé de bon ou quoi que ce soit, hein, dommage. Ok. On va garder jusqu'à ce qu'il nous reste 15 pièces. Ce serait bien qu'une clé tombe. On peut utiliser ça, vu que j'ai le droit à un cœur. Voilà. C'est le boot back ça. Nice. Plus de chance. C'est la partie de la chance là aujourd'hui.
Alors j'ai quelques dégâts. Plus je tire loin en fait, plus j'ai de dégâts. Oh, ça va être méga simple cette partie. Non, bordel. Voilà. Non, mais j'ai pas de clé. Arrêtez de me demander d'ouvrir des coffres. Je sais pas, on dirait qu'il y a un bug parce que là c'était passé à travers le mur. J'ai pas compris. Putain, mais. On se calme quand même. Je sais que c'est à cause de ma queue, mais. Enfin, la queue de Guppy, mais quand même. Allez, une clé au moins. Non. Le Joker permet d'aller soit s'il y a une salle d'ange, bah dans la salle d'ange, soit dans la salle du démon, bah s'il y a une salle du démon quoi. Son 4, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est trop easy. Ah, des dégâts, oui. Ah, on dirait que mes dégâts augmentent pas, c'est pas grave. Mais c'est suffisant ce que j'ai comme dégâts là. Hop là. Ah bah je t'attaque par derrière, tu comprends rien. Ah je veux bien, j'ai pas de clé bordel. Donnez-moi, je sais pas, une clé. Les squelettes qui donnent 99 clés. Quelque chose au moins. Certes j'ai pas besoin d'objets pour finir là, mais bon quand même. Non, pas une bombe. Le bouclier trop puissant que j'ai, si jamais je prends un coup, ben je le prends pas en fait. Pendant chaque salle, ça me donne un coup gratuit que je dois prendre. Regardez, comme vous voyez, j'ai pas pris le coup. On verra bien si les challenges ça marche, parce que si je me fais pas toucher... Ah pas challenge, succès à chaque fois je veux dire, ah là là. Ouais, là je me suis fait toucher, enfin pas vraiment. Voilà, on a que des coffres comme ça, bien entendu. C'est la malédiction de la queue de Guppy. Oh, nice. Là, je suis à quel étage? Death One. Ah non, pas ce genre de salle. Ah là je me suis fait toucher. J'aime pas ces salles où il faut juste tuer les cocons et tout. Babel Tract, non comme je suis déjà pris un Devil Deal, ça marchera pas. Voilà. Salle secrète ici. Non. Salle secrète ici.
ça. Ah là là. Je ne veux pas de ça. Ah bah voilà une clé. Ah, deux clés. Alléluia. Une clé pour ça. Le Jira, c'est abondance, d'accord. La Blank Candle, oui. On va utiliser ça pour avoir le double. On va retourner en arrière pour faire la salle de sacrifice parce qu'il y avait deux... Non bah non, on va pas la faire, j'ai utilisé une clé pour rien. Comme un mongol. À moins qu'il y ait quelque chose d'autre ici. Il y a ça, très intéressant. Parfois ça accélère ou ralentit le temps. Là par exemple ça la ralentit. Alors je vais avoir un autre bout de Bandage Girl ou un bout de Super Meat Boy, enfin de Meat Boy. Ah, si ça tourne. Là il court, hein. Il est censé me rattraper. Hein. Voilà. Ok, un bout de Meat Boy. Et go. Dave Stew. Ah, Mom va tenter de nous agripper. Ah, elle m'a touché. J'ai flippé, j'avais pas, je pensais pas qu'il y avait autant de mains. Non, on va rien utiliser. Voilà. Pourquoi au niveau de la carte graphique, je suis pressé de l'avoir. Ah, flûte, j'avais pas vu au sol. Comme ça, je pourrais faire de meilleures vidéos. Normalement, il y a que ça qui bug, il y a juste ma carte graphique. Sinon, mon processeur tient encore la route. Voilà quoi. Une 500 GTX, 560 GTX Ti, c'est plus trop à la mode, ça fait 3 ans que je l'ai donc. Gulp, je comprends pas le swallow penny en fait. Voilà. C'est dur hein. Elle va pas tarder à me taper. Ah, c'est ça qui me tape déjà. Voilà, c'est gagné. Allez, on a réussi de challenger une vidéo. Robo Baby 2.0. Alors, j'ai combien de succès? J'en ai 29. J'ai 29%, donc j'en ai 52 sur 178. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que moi ça m'a fait plaisir de la faire, donc passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.